Réussir à s'assumer pleinement en acceptant aussi à chaque fois les autres et leurs propositions scéniques et expressives. Là, pour le coup, une nouvelle fois, on vous propose une petite surprise. Enfin, une surprise. Pour le coup, c'est une surprise en termes de répertoire. On part en Slovaquie avec la berceuse la plus célèbre slovaque que les C4 ont chanté en slovaque. C'est une berceuse qui s'appelle Dobru Noc. Pour ce chant-là, Lude, qui est en classe de 5e, soprane, va nous accompagner au violon. Les paroles sont en slovaque, donc comme je sais que assez peu de personnes sont finalement bilingues en slovaque, je vous propose la traduction d'un des plus beaux vers. Ce vers en slovaque dit « Dobru noc rabdilu ciku podila rodemoc » et la traduction est pour le coup assez jolie. Elle dit « La nuit la plus belle de ma vie ». La nuit dernière fut la plus belle de ma vie, mais ce fut également la dernière. Voilà donc Dobru noc. Thank you.
avez sans doute remarqué que les sécates ne chantent pas à l'unisson, ça veut dire qu'ils chantent à plusieurs pupitres. Ils sont disposés devant vous par hauteur de voix, un peu comme dans les orchestres. Sur votre gauche, vous avez les voix les plus aiguës. Les voix les plus aiguës, c'est-à-dire les sopranes. Levez la main, Rose avait levé la main très en avant. Merci. Les altis, c'est les voix les plus graves. Ils sont sur votre droite, ils lèvent la main. Et ça fait bien longtemps qu'on avait pas eu un pupitre à majorité de garçons. Au milieu, nous avons la voix la plus magique, puisque c'est elle qui donne toute la couleur à la construction. Ici, on a les stars, ils ont la mélodie. Ici, on a les besogneux un petit peu, c'est-à-dire c'est eux qui amènent toute la solidité à l'édifice qu'on essaie de construire. Et puis en plein milieu, c'est eux qui nous amènent la couleur. Si on vous faisait entendre un chant simplement avec les sopranes et les altis, ça paraîtrait très plat, un petit peu comme au Moyen-Âge. Très vite, on s'est mis à apporter la couleur, les tierces, et puis tout ce qui amène la richesse des harmonies, ce sont les mezzi. Levez la main. Konnichiwa Minasan, qui veut dire bonjour à tous en japonais. Puisque le chant qui suit est un très célèbre chant de Noël japonais, Christmas Eve, que l'on pourrait traduire par Réveillon de Noël. Il a été écrit en 1983 par le chanteur-compositeur Tatsuro Yamashita. Cette chanson d'amour hivernale fera chaleureusement retourner au mois de décembre et à ses périodes neigeuses. Christmas Eve est une très belle chanson qui va s'interpréter par un sextuor, c'est-à-dire un groupe de 6 solistes. C'est l'une de mes chansons préférées du répertoire de cette année, car le Japon et sa culture sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, la barrière de la langue ne vous empêchera pas de voyager à travers le pays du soleil levant. Passez une bonne soirée. Sayonara Minasan. Thank you.
J'évoquais avec vous tout à l'heure notre rencontre avec des artistes de grande renommée. C'était un moment magique pour moi de voir ces quatre interagir finalement assez naturellement avec des personnalités qu'on voit d'habitude à la télé. Il y avait une personnalité qui nous a particulièrement touchés, alors qu'à la base, je ne sais pas forcément peut-être vers cet artiste-là qu'on serait allé en premier, c'est Chimène Badi. Chimène Badi a passé une bonne demi-heure, quand on connaît l'emploi du temps de ces gens-là, elle a passé une bonne demi-heure en dehors des caméras, loin de tout ça, en coulisses, à discuter, à signer des autographes, à parler avec les enfants, avec moi, et c'était totalement gratuit. Et je peux vous assurer, pour côtoyer un tout petit peu ce milieu-là, de par nos activités, que c'est très très rare. Voilà. Pour tout dire, Chimène m'a dit qu'elle devait être là ce soir, finalement, voilà, elle s'est décommandée, mais elle a tenu à vous adresser à vous un petit message que vous allez voir vous s'afficher juste derrière. Voilà. Coucou la chorale C4, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un gros gros bisou. Vous souhaitez bonne chance pour ce soir, mais je sais que vous allez tout déchirer. En tout cas, encore une fois, j'ai été très très fière de partager ma nouvelle chanson avec vous. Ça a été un super moment et voilà, j'ai adoré. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous embrasse très fort et amusez-vous bien ce soir. Bisous. Cette confiance reçue, évidemment, quand il se passe des choses comme ça qu'on n'explique pas vraiment, cette confiance-là, elle donne des ailes parfois, elle donne. C'est un petit peu le sel de ce que nous, ce qu'on essaie de proposer. Et ça a permis à un garçon, qui est là derrière, qui s'appelle Camille, de dire, et eh bien tiens, après le tournage, justement, de dire, tiens, on a découvert une chanson, cette chanson qui s'appelle L'Envie, le tube absolu de Johnny Hallyday. Dire, bah tiens, moi, je vais essayer de donner ce que j'ai, et puis voilà, je vais prendre sur moi de prendre ce solo-là, l'envie. Alors, pour être très franc, la dernière fois qu'on a eu un soliste garçon, c'était il y a longtemps, il s'appelle Isaac, peut-être qu'il est présent dans la salle. Il reste un soliste assez charismatique, emblématique de notre histoire. Voilà, il a des fans aussi derrière. Donc, voilà. Tout ça pour dire que Camille, c'est un vrai bonheur, c'est une vraie grande fierté. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de nouveau un soliste garçon. Ça me fait plaisir que ce soit lui en plus. C'est lui qui a choisi de vous chanter sur la bande-son sur laquelle on a travaillé pour le Prime, pour les 300 chœurs. Donc, vous allez entendre une bande-son. Le chœur va chanter évidemment pour de vrai, Camille va chanter pour de vrai. Cette chanson qui, pour la petite histoire, date de 1970 tout pile, c'est Goldman qui a composé cette chanson. À la base, il l'a composée pour Sardou, qui l'a complètement refusée. Et c'est que 16 ans après, donc en 86, que Johnny enregistre cette chanson. Pour la petite histoire, il a enregistré cette chanson en une fois, sous le regard médusé des techniciens qui n'en revenaient pas, parce que cette chanson n'est quand même pas très facile. Donc voilà, Camille qui vous interprète l'envie sur une bande-son de notre prime de 300 cœurs. Allez, bonhomme, à toi.
t'aime le jour, j'aime la nuit, j'aime aujourd'hui, oublier les temps. D'Indonésie. Qui s'appelle Rato Duwek. Elle donne lieu à des concours très connus là-bas en Indonésie, à Jakarta.
des concours pour savoir laquelle des associations, lequel des villages va faire le mieux la chorégraphie que vous venez de voir. Là, vous venez de voir uniquement un verset. Derrière, il y en a 9. C'était donc Rato Dweck. Bonsoir. Le chant qui suit. Et quand on n'a que l'amour. Et quand on n'a que l'amour. Ce chant a été écrit en 1956. En 1956, et produit par Jacques Brel. Par Jacques Brel. Je partais, ça va ? Bah pourquoi ? Bah parce que. Ce chant caractérise le mieux ce qu'on appelle le crescendo brillant. Le crescendo brillant. Tu veux pas faire la présentation à la place ? Bah bien sûr que si. Bonsoir. Le chant qui suit est Quand on n'a que l'amour. Cette célèbre chanson, écrite en 1956, est produite par Jacques Brel. Ce chant caractérise le mieux ce qu'on appelle le crescendo brillant. Cela signifie que la chanson commence doucement et finit par exploser. Pour ce chant, nous serons accompagnés de deux danseuses de l'Académie de danse de Brunouille. J'espère qu'il vous plaira. Passez une bonne soirée. Extraordinaire. Hier, quand nous avons... En fait, on a travaillé, nous, dans notre coin, le chant. Ces demoiselles ont travaillé dans leur coin les chorégraphies. Et quand hier, on s'est retrouvés pour mettre en commun le fruit de notre travail, c'est étrange par là, là où il y a beaucoup de garçons. Évidemment, là, c'était très, très, très attentif à cette chorégraphie. Imprégné vraiment par la beauté de l'art. Ouais, c'était incroyable. Je me suis dit, jamais, moi, ils m'ont regardé comme ça. Ça va, les garçons ? Traditionnellement, là, en fait, dans notre déroulé, il y avait Judith qui devait
vous faire ce qu'on appelle le discours de recrutement. Judith est malade et elle nous manque fort. Tout ça pour vous dire que, pour préparer la suite, puisque nos amis troisièmes vivent leur dernier chant, du dernier récital, il faut préparer la suite. On continue à recruter. S'il y a des jeunes qui, d'abord, je crois avoir en vue et entendu tout à l'heure quelques futurs C4, puisque les auditions ont déjà commencé, on continue à recruter, on sera ravis de pouvoir accueillir de nouveau C4 et de pouvoir leur apprendre le chant qui est pour nous, qui fait partie vraiment de notre identité. Ce chant s'appelle Okutula. C'est le seul chant qu'on reprend, j'ai pas compté, mais ça fait 5 ou 6 ans à peu près qu'on chante ce chant-là. Alors certains qui continuent à chanter avec moi au sein du Jeune Cœur de l'Oise, on peut plus du tout ce genre-là, ça fait 5 ans qu'ils le chantent à tous les concerts, c'est un enfer, mais c'est un chant qu'on continue à nous demander beaucoup. Il s'agit d'un hymne à la paix, Zulu, un chant sud-africain, que nous allons vous interpréter accompagné de gestes, ces gestes ancestraux qui vont avec cet hymne à la paix, et pour lequel on va vous proposer une impression sonore, c'est-à-dire qu'on va venir vous entourer sur scène, évidemment, tous les anciens C4 qui le souhaitent, évidemment, aucune obligation, sont chaleureusement accueillis au sein du cœur qui est le leur. Voilà, Okutula. Thank you.
trouverez en vente à la sortie de notre récital D'habitude, je dis notre dernier album. Après, on m'a dit qu'il en restait quelques-uns du deuxième album. Et figurez-vous que Stéphanie m'a dit tout à l'heure qu'il restait même 10 CD premiers. Des premiers CD qui a été enregistré en 2000. Je suis à peu près. 2000. Combien ? 13 ? Non, c'est 2011. Bref, vous trouverez en vente nos trois derniers albums, d'ailleurs nos trois albums finalement. Les sous iront à l'association des amis du conservatoire, l'association qui est un pilier essentiel de nos actions. Évidemment, nous, vous nous voyez, nous sur scène en fait, ils sont à droite, à gauche, à bas-bord, à tribord, en dessous, au-dessus, ils sont un petit peu partout. On ne pourrait pas faire grand-chose sans eux. Si vous ne les avez toujours pas, vous pourrez vous les procurer à la sortie du récital. Bonsoir. Le chant suivant est Low Point Top de Beyoncé, sorti en 2011. J'ai choisi de vous présenter cette chanson ce soir, car c'est l'une de mes préférées du répertoire. Cette chanson a un côté fun, cool et jeune en même temps. Toutes les raisons pour que vous leviez de vos chaises et dansiez, non? Ce soir, sur cette chanson, nous serons accompagnés de nos merveilleux musiciens et notre Beyoncé de ce soir, Khadija. Je vous souhaite une bonne soirée. La 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 la
Comment ça va ce soir? Ce soir, j'ai le privilège de vous présenter un des plus grands tubes du groupe anglophone Queen. Mais avant ça, je dois vous prévenir que les deux choses qui vont arriver vont s'enchaîner. Bref, revenons à nos moutons. Et si je vous ai devenu plutôt le chant de ce soir? Vous êtes chaud ou pas? Alors, le chant qui va suivre date de 1978, écrit par Freddie Mercury, toujours. Est-ce que... Oui? T'as entendu oui? Non, c'est pas grave. Bon, plus précisément, le 26 janvier 1978. Personne? Yes! T'as entendu? Vous repartirez avec votre chèque, plus tard. Oui, ce soir, le cœur rempli de son humeur ben, a le plaisir de vous interpréter plutôt. Donc, Slamina, accompagné de nos musiciens fabuleux qu'on peut applaudir très fort. Encore plus fort! Et maintenant, en avant là! Excuse-moi, moi aussi j'ai quelque chose à dire en fait. Pardon, excuse-moi, merci. Je peux? Je t'en prie, hein. Alors, après Don't Stop Me Now, on va directement enchaîner avec un medley. C'est notre tribute to Queen. Donc, c'est un medley de quatre chansons les plus célèbres du groupe de rock Queen. Donc, on va d'abord vous chanter un extrait de... de We are the et pour finir la partie opéra de Bohemian Rhapsody. Tout cela sera accompagné de gestes et nous serons encore une fois accompagnés de nos formidables musiciens que l'on peut d'ailleurs applaudir très fort. Et maintenant on a fait la musique. I feel alive. Thank you.
de notre récital. On vous a chanté un petit peu tout ce qu'on avait en magasin. Traditionnellement, c'est le moment des remerciements. Et une fois n'est pas coutume, on s'est dit que, d'un commun accord avec les enfants, ce sont bien les enfants qui font vivre ce projet-là. C'est vraiment pour eux qu'il y a tant de monde qui se mobilise, que ce soit les techniciens de ce soir, les musiciens, nous autres, avec Katia, tout le monde qui s'occupe d'eux. Mais ce sont eux le vrai moteur et l'essence de ce projet-là. Donc c'est eux qui vont formuler les remerciements. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier la ville de Creil, mais en particulier Monsieur le maire, Monsieur Villemain, et ses assistants et ses conseillers. Bonsoir. Un grand merci à notre partenaire scolaire, le Collège Jules Michelet, et à sa principale, Madame Barat. Bonsoir. Nous tenons également à remercier nos techniciens. Donc Cédric aux Lumières, Otis, Renaud, Francesco et Michael. Donc c'est un jour particulier pour lui car c'est son anniversaire. Bonsoir, souhaitons remercier aussi Aloïs pour son diaporama, ainsi que les musiciens qui nous ont accompagnés. Et les... Valérie et moi-même, on tient à remercier l'association des amis du conservatoire de Creil, car sans eux, aucun déplacement ne serait possible. Et ils sont partout. Ils sont partout. Et bah, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour eux. Le bras droit de Valérie, Katia Hamelin, on lui doit beaucoup. On lui doit beaucoup parce qu'elle est toujours très présente et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administratif, logistique. Et voilà, merci. Je tiens aussi à remercier la direction de la culture, Jackie Abel, le directeur de Valérie, merci beaucoup! Et bien évidemment, nous remercions vous, notre très cher public, d'avoir été si chaleureux et si accueillant. C'est une soirée très spéciale pour le groupe, et plus particulièrement pour moi ainsi que les autres troisièmes, vu que c'est notre dernier récital aujourd'hui.
voulais, moi, remercier les anciens parce que, en fait, ça m'a frappé tout à l'heure sur Ubuntu-là de voir autant d'anciens. Et puis, en fait, en plus, j'ai pas mes lunettes, donc je peux même pas voir. J'étais là-bas, je pouvais même pas voir qui. Mais c'est, ça réchauffe le cœur de voir autant d'anciens. C'est là qu'on se dit que. De voir des anciens qui pour certains ne connaissent pas du tout hein, ceux-là, certains sont post-bac, n'ont pas du tout connu ces quatre-là. On se dit que le passage de témoin a bien fonctionné et on se dit que on a peut-être construit quelque chose de solide. Donc je voulais remercier les anciens, on voudrait remercier les anciens parce qu'on leur doit beaucoup. Moi, je voulais remercier aussi, si vous le permettez, à titre un petit peu plus personnel, je voulais remercier mes amis ici à Créer. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris, et j'ai pour coutume de dire à tout le monde, d'ailleurs, je l'ai dit un petit peu quand on m'a posé la question, jamais je me suis senti autant chez moi que depuis que j'habite Créer. Et c'est à eux que je dois. Merci beaucoup, les amis ici. Permettez cette toute petite incartade un petit peu intime. C'est la première fois que, lors d'un récital, mes enfants sont dans la salle. Et du coup, je voulais remercier Charlie et Violette de faire une fête de moi. Faire. Moi je le fais, je veux vous remercier sans grande éloquence, mais rapidement, tous les enfants, c'est un chouette groupe, c'est ce que je disais en loge juste avant de rentrer sur scène ce soir, à 20h01, c'est un super chouette groupe, tous les groupes sont super, vous, j'ai l'impression que vous vivez très bien, et vous avez cette petite part d'autonomie, en respectant le groupe, c'est quand même super chouette, c'est un vrai bonheur d'être à votre direction. Bravo à tous. Bravo à toutes les classes, évidemment. Bravo un petit peu plus particulier à vous, nos amis de 3e, puisque je voulais vous dire que j'ai beaucoup et particulièrement apprécié votre prise d'initiative, votre prise de pouvoir, tout en douceur, mais toujours très spontanée. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était en grande partie, je ne voulais pas le dire avant le récital, c'était en grande partie dirigé vers vous, cette capacité que vous avez à me surprendre. Dans le bon sens du terme, et ça c'est quand même super chouette quand on est à la tête d'un chœur aussi chouette que les C4. Merci beaucoup et bravo. On se retrouve pour ceux qui souhaitent à l'église de Montataire à 20h le 15 juin, puis à l'église Saint-Médard, juste ici, le 29 juin à 20h. On se quitte en pleine joie, on se quitte comme on s'est rencontrés ce soir, avec un cabaret. Encore merci à tous de votre présence lumineuse, et à bientôt, qui sait, sur les routes du cœur C4. Entrez, 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 entrez.
petit plan.